Allez bien, on va clôturer ce week-end avec l'Hebdo Crypto comme d'habitude. On est le dimanche 27 novembre 2022. Une semaine plutôt stable, vous allez voir, mais vous allez voir des dossiers qui commencent à exploser de partout. Honnêtement, ça pète de partout sur certains dossiers. On est positionné normalement sur énormément des dossiers qui explosent. Vous allez voir, Celo, Theta, vraiment pas mal de dossiers. Ça fait très très plaisir depuis 24 heures à peu près. Ça explose un peu de partout. Est-ce qu'on n'aurait pas une fin d'année bullish? Vous allez voir, en tous les cas, on a un programme qui est exceptionnel. Vous allez voir, je voulais synthétiser entre la décision de la SEC qui va avoir lieu fin du mois et qui sera rendue publique le 5 décembre. Ça, c'est la première information. La prochaine réunion de la Fed, on le verra le 13 et le 14. CZ un peu en zéro des crypto-monnaies. Elon Musk avec Twitter qui nous réserve des bonnes choses. On a des premières informations autour d'un téléphone et tout ça. Je vous ai fait une petite synthèse. Donc, demandez le programme. J'ai appelé ça comme ça, cette nouvelle section. C'est vraiment les informations à retenir. Cette semaine, ça va être le 30 et juste après le 5, c'est la décision, quoi. C'est une partie des décisions du procès de la SEC qui dure depuis des années. Pour rappel, c'est une décision qui comportera, qui touchera XRP, mais qui touchera l'ensemble des crypto-monnaies. Faut pas l'oublier, il y a aussi Ethereum et finalement tous les projets potentiellement en proof of stake sont attendus au tournant par la SEC. Donc cette première décision dans le monde des crypto-monnaies sera vitale, parce que ça aura un impact sur tous les autres crypto-monnaies éventuellement qui seront attaquées par la SEC. Et en général, dans le monde entier, tout le monde copie, entre guillemets, ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça aura un impact même nous en Europe, avec Mika, en Asie, un peu partout, tout le monde s'aligne sur ce que dit Tonton Sam. Donc ça va être hyper important cette semaine. Ensuite, réunion de la Fed, on espère des bonnes nouvelles, c'est dans à peu près 2 semaines. Prochaine réunion de la Fed, on espère peut-être on annonce pour l'instant les dernières infos que j'ai, c'est une hausse non pas de 0,75% mais 0,5%. Mais honnêtement, on s'en fout de la hausse. Si c'est 0,75, 0,5, 0,25, ce qui compte c'est la suite. C'est le ton accommodant ou pas des prochaines réunions. C'est-à-dire, est-ce que même s'ils augmentent de 1%, c'est pas grave, s'ils annoncent que c'est fini les hausses, parce qu'on est déjà à 4%, s'ils augmentent même de 1%, on sera à 5%, on sera à des taux plutôt neutres pour l'économie, plutôt même imposants. Et je pense que l'inflation, les chiffres de l'inflation qui vont sortir seront importants. Ensuite, bien évidemment, il y a tout ce qui se passe autour d'Elon Musk. On en a parlé ce matin au morning. Potentiellement, il va sortir une espèce d'application sur téléphone. J'ai pas tout compris honnêtement. Je vais digérer ça pendant les prochains jours et on en reparlera. Mais en tous les cas, ça a fait exploser peut-être Celo. Ça a fait exploser une crypto que je connaissais pas qui s'appelle Mobilecoin, qui a pris 400%. Et l'idée, c'est bien évidemment l'usage. J'ai parlé du projet X de Twitter, j'ai fait une vidéo dédiée, n'hésitez pas à aller voir sur cette chaîne, où je pense que des valeurs comme Dogecoin, comme BNB en bénéficieront. Ensuite, j'ai livré, n'hésitez pas à aller voir ce midi, le top 5 pour décembre. Et dans ce top 5, vous verrez, il y a le Bitcoin, parce que pour moi, il faut revenir, je me suis recentré sur l'essentiel. On m'a fait beaucoup de remarques, pourquoi il n'y a pas un tel, pourquoi il n'y a pas un tel. Je ne peux pas, je fais un top 5. L'idée, c'est de ne pas en mettre 50. Bien évidemment, ça ne remet pas en cause le fait que j'adore certains autres projets, en particulier CKB, en particulier Matic, Polygon Matic et tout ça, bien évidemment, et plein d'autres. Mais l'idée, c'est une synthèse. Il faut arriver à en mettre que 5. J'y suis pas arrivé, j'en ai mis 6, parce que bien évidemment, pour moi, bonus track, j'ai mis XRP, parce que XRP, ça peut être sympathique sur le mois de décembre et sur les prochaines semaines avec ce qui va se passer avec la SEC. Et donc, dans ce top 5, j'ai mis The Graph. Je suis vraiment revenu sur des valeurs sûres. The Graph, STX, dans les Layer 1, j'en mets qu'une et je mets STX parce qu'elle s'appuie sur le Bitcoin. J'ai mis AAVE, c'est un projet que je connais très très bien, sur lequel j'ai bien gagné ma vie il y a plusieurs années. Et pour moi, c'est une valeur qui peut exploser dans les prochaines semaines. Et Chainlink, voilà mon top 5, avec en bonus track XRP. Bien évidemment, ces valeurs-là, pour moi, c'est des valeurs, mon top 5 du mois de décembre. Mais toujours pareil, horizon 2024. Faut pas oublier, je le rappelle quand même, le prochain halving, finalement, il est pas si loin, c'est en mars 2024. Donc c'est dans 16 mois exactement. Et donc voilà, potentiellement, c'est ça qui va aussi nous tirer à moyenne échéance. Et c'est pour ça que je dis toujours échéance 2024. Tous mes investissements que je fais en ce moment, c'est horizon 2024. Ensuite, voilà, j'en reparle rapidement, mais c'est vrai que j'ai arrêté de fumer. Et il y a un truc que je fais qui peut aider certains qui veulent arrêter de fumer. Si vous fumez un paquet, moi je fumais plus d'un paquet, et on va dire je fumais aussi du semi-mou, et donc l'idée c'est que ça me coûtait grosso modo une petite vingtaine d'euros tous les jours. Je fumais un paquet, surtout je fumais beaucoup vraiment vers la fin, et c'est pour ça que j'ai arrêté d'un coup, je me suis fait violence, c'est que je fumais pratiquement un paquet et demi, et donc l'idée c'est que cet argent-là, tous les matins, et c'est précis, je fais des versements programmés sur Binance, je mets 20 euros, et c'est tous les matins à pile 3 heures du mat, parce qu'à chaque fois quand il se passe des crises et autres, c'est souvent à 3 heures du mat, et donc tous les matins je me lève, je me dis un jour de gagner, j'en suis pratiquement, je crois, à 47 jours. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le 11 décembre, je fêterai mes 2 mois.
Je ferai peut-être une soirée d'ailleurs pour fêter ça. Mais voilà, chaque jour c'est une victoire. Et chaque matin je me lève, il y a mon ordre qui est passé de 20 €. J'achète du Bitcoin tous les matins. Tous les jours je mets 20 €, ça me fait 600 € par mois. Ma stratégie c'est que si le Bitcoin descend sous les 15 000 $, c'est possible, eh ben, je mettrai 30 €. Je passerai à 30 € par mois et ça fera 900 € par mois. Donc ça commence à faire beaucoup. Et dès que le Bitcoin repassera au-dessus des 15 000 $, boum, je rebasculerai à 20 € par mois. Je me prépare au scénario catastrophe où le Bitcoin, on sait jamais. Comme ça, je suis prêt à tout. Vraiment, je suis en mode warrior. Si le Bitcoin descend sous les 10 000 $, j'espère que ça sera ponctuel parce que là, ça commence à me coûter très très cher. Et à part acheter des sacs de riz et de pâtes de 25 kilos, voilà, ça va être compliqué. Mais je m'y prépare, je suis prêt dans ce scénario-là. Si le Bitcoin descend sous les 10 000 $, je bascule à 40 € par jour. Ça fera 1 200 € par mois. Et je pense que si ça se passe, ça durera pas longtemps. Ça sera une espèce de craquage du Bitcoin, et ça sera la fameuse grosse capitulation, j'y suis prêt. Et si ça remonte au-dessus des 10 000, entre 10 000 et 15 000, je rebascule à 30, et si ça remonte au-dessus de 15 000, je bascule à 20 € par jour. Et l'idée, c'est que bien évidemment, je ne suis pas un adepte du tout du DCA, si le Bitcoin, et je ferai ça, tant que le Bitcoin ne sera pas au-dessus de 30 000 $. Voilà ma stratégie Bitcoin, je vais complètement reprendre du Bitcoin à fond, et dès qu'il passera au-dessus des 30 000 $, j'arrêterai. C'est ça pour moi la différence entre quelqu'un qui fait du DCA, c'est que j'achète tous les jours de manière très agressive parce que le Bitcoin est très très bas. Et ensuite, le cas hyper extrême, si le Bitcoin descend sous les 5 000 $, voilà, je ferai chauffeur Uber le matin, j'irai déposer des gens à l'aéroport le matin, je bosserai au McDo, employé polyvalent, voilà, multitâche, et je vous livrerai peut-être votre repas si vous êtes en région parisienne, Uber Eats, le soir tout simplement. Donc l'information importante, c'est Binance. Binance qui vole au secours du marché, c'est une très très bonne nouvelle. Il va mettre, non pas, il avait prévu 1 milliard, finalement il va mettre 2 milliards sur la table. Tout simplement pour aider des entreprises qui ponctuellement ont des problèmes. Il l'a précisé, il a dit qu'il ne mettrait pas, il n'aiderait pas des entreprises par exemple qui ont fait des malversations, qui ont fait des, voilà, qui ont fauté. Par contre, si c'est juste une crise de liquidité, j'ai un problème ponctuellement, je dois rembourser mes créanciers, des choses comme ça, il aidera, et 2 milliards, vraiment, ça va aider du monde. C'est une très très bonne nouvelle de la part de Binance. Bien évidemment, je pense pas qu'il fasse ça gratuit. C'est aussi, il va prêter et il va en plus étendre l'empire Binance BNB pour moi. Mais en même temps, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, on va passer rapidement parce que elle, c'est un peu la Cendrillon des cryptos finalement, la copine de la patronne d'Alameda Research, qui était la copine Caroline Ellison. Et c'est un peu la Cendrillon, quoi. Sauf qu'à minuit, elle a pas disparu, elle est partie avec la caisse. Et ce qui est marrant, c'est qu'on apprend que c'était plus ou moins une toxico et qu'elle avait un goût démesuré du risque. Quelqu'un de très, une étudiante brillante. Voilà, elle a connu Sam pendant qu'ils étaient, je sais plus dans quelle boîte, ils faisaient du trading chez Jane Street. Et ça, je vous l'avais dit, une série. Honnêtement, j'espère qu'ils vont prendre ma cover. J'avais fait une cover justement pour une série. Amour, gloire et carotte, vous vous en souvenez, qui avait fait beaucoup de bruit justement. Et voilà, forcément, il va y avoir une mini-série, on va nous expliquer tout ça dans le détail sur cette histoire, ça sera drôle à voir et ça va cartonner, bien évidemment. Ensuite, j'ai fait une... on m'a remonté ça, c'est un abonné sur Twitter qui m'a envoyé ça et honnêtement, j'ai été choqué sur Dolls. C'est regardé, voilà, prenez une petite photo de ce truc-là, c'est assez impressionnant. C'est toute la communauté FR et c'est pour ça que jamais de la vie je ferai des partenariats. Et regardez, tous en phase, ça me rappelle Stepin au moment de Stepin, mais j'avais pas pris cette photo. Après j'ai fait un tweet un peu ravageur parce que j'ai insulté un peu les gens et sur ça je m'en excuse parce que c'est pas bien et ça couvre un peu le message que je voulais passer. J'en suis désolé sur la forme parce que j'ai insulté un peu des gens et j'en suis plus que désolé. J'ai failli supprimer mon tweet mais c'est pas mon style de supprimer des tweets. Parce que j'ai pas aimé la forme, même moi je m'en suis voulu. Mais par contre, sur le fond, j'avais raison, c'est que regardez, on retrouve Julien Churros, il est toujours là. On retrouve des gens que j'apprécie plutôt, Monsieur TK Mining, j'en suis désolé, parce que je l'aime bien, alors que je l'ai mis dans le même paquet. Par contre, Alan, Road to Million, lui, là, tous ces guignols, là, Road to Millionnaire. Crypto Farmer, je connais pas trop, lui, je le connais pas trop en plus. Goku, je le connais pas honnêtement. Donc je m'en excuse globalement, parce que dedans, il y a des gens, et j'ai mis tout le monde dans le même panier, alors que pour moi, je considère que lui en particulier, Monsieur TK Mining, je regardais ses vidéos il y a pas mal de temps. J'apprends des trucs avec lui, et voilà, j'ai fait un message un peu ravageur. Je m'en excuse sur la forme, parce que voilà, j'ai insulté de manière globale. C'est pas bien en plus d'insulter. Ça cache le message principal. Le message principal, c'était surtout, j'aurais dû mettre la photo et mettre no comment. Voilà. Mais en même temps, ça m'a vraiment foutu les boules.
comme tout le monde au même moment vend un projet dégueulasse, un projet dans le porno ou je sais pas quoi. C'est pas le lieu, je suis pas critique, ça peut être un projet. C'est surtout au même moment, le même jour, ils poussent un projet et vous verrez que ce projet-là, on en reparlera. Et comme je le dis souvent, il n'y a pas de SAV et c'est pour ça que plutôt crever pour moi que faire des partenariats rémunérés, je ne le ferai jamais. Parce qu'après, ça donne ça justement. Tout le monde baisse sa culotte et tout le monde... Et ce qui est horrible, pourquoi ça m'a vraiment énervé, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont ruinés. Il y a eu Terra Luna, il y a plein de gens qui sont partis, qui sont ruinés à cause de Terra Luna. Il y a eu Celsius, voilà, deuxième lame. Il y a FTX, et donc il y a des milliers, si c'est pas des millions de personnes dans le monde qui sont ruinées, et à la moindre occasion, eh ben, ils prennent tous un billet, et voilà. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. Voilà le message que je voulais passer. Mais désolé sur la forme, parce que ça me ressemble pas, et j'aime pas faire ça, ça a complètement caché le discours que je voulais avoir. Après, le tweet, il a fait plus de 100 000 vues, j'avais jamais fait ça. Donc ensuite, ce qui est intéressant, je parlais du halving, c'est très intéressant, c'est qu'au début, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, en 2009, on minait, à chaque bloc, il y avait 50 bitcoins. Aujourd'hui, on a 6,25, et le prochain halving, il aura lieu, je le disais, en mars 2024, et ça, c'est un moment très important dans le calendrier. Plus on va se rapprocher de mars 2024, plus on devrait repartir, parce que c'est toujours comme ça. C'est pas comme les marchés financiers qui ont des cycles qui durent entre 2 et 3, 4, 5 ans. Là, les cycles sont vraiment dictés par le halving. C'est la grosse différence entre le marché crypto et le marché boursier que je connais très très bien. C'est qu'il y a ces halvings, il n'y a pas de halving sur les marchés boursiers. C'est la grosse différence, je trouve, avec le marché boursier. Ensuite, en termes d'actualité, il n'y aura pas grand-chose lundi-mardi, mais à partir de mercredi, on va vraiment finir et débuter l'année avec des grosses statistiques. Tout ce qui est pétrole, les estimations du PIB aux États-Unis, et on va avoir les premières statistiques sur l'emploi, et vraiment on aura des statistiques intéressantes le jeudi, mais surtout le vendredi, très important, on aura le taux de chômage aux États-Unis et les statistiques sur l'emploi, tout simplement. Donc au niveau de la semaine, vous voyez bien qu'on a plutôt une très très belle semaine, on a Apcoin, vous le savez, c'est ma valeur préférée dans les NFT, on a LTC, je pense que je prépare un dossier, parce que c'est une valeur que j'aime bien, je trouve que c'est une valeur en général un peu comme Bitcoin Cash. On dit souvent que le Bitcoin c'est l'or et Litecoin on dit que c'est l'argent. Et là il reprend très très bien et ça m'étonne pas parce que c'est une valeur en général quand le marché repart allègrement, ça amplifie les performances du Bitcoin et je pense qu'à un moment donné j'en prendrai, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce projet là. Chainlink qui se porte super bien, Apcoin, ma valeur préférée des NFT vous le savez, Bitcoin Cash aussi, FTM c'est pas mal, GRT The Graph, voilà des dossiers, on a pratiquement tous les dossiers dont on évoque, Doge aussi, voilà j'en ai, BNB qui se porte super bien, Kant, HBAR aussi, ça se passe bien. Celo qui explose tout, va se mettre en quotidien. C'est assez incroyable ce qui se passe sur Celo. J'en avais parlé il y a une semaine. Et ben, en une semaine, ça a pris pratiquement 50%. Donc, ceux qui m'ont, voilà, qui m'ont suivi, entre guillemets. En plus, je trouve que c'est un projet exceptionnel. Je vais me répéter, mais je pense que Satoshi, il doit vraiment adorer ce projet-là parce que c'est complètement dans la continuité du Bitcoin. C'est se passer des banques. Et surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est que ça s'adresse en priorité aux pays en voie de développement. Même si je pense que ça ira au-delà des pays de développement, ça s'adresse aux gens vraiment qui ont les téléphones les plus basiques, pas forcément des smartphones hyper compliqués et autres. Et donc ce projet-là, moi je le trouve quasiment même noble, tellement il est beau ce projet-là. Et en plus, je pense que c'est un projet qui va permettre de rapporter de l'argent tout simplement. Mais dans l'état d'esprit, après le Bitcoin, pour moi c'est peut-être mon projet préféré dans la philosophie de ce projet-là. Après au niveau de l'euro, c'est hyper intéressant parce que vous savez, il faut que l'euro vraiment reparte. Faut pas oublier que l'euro-dollar... 1 euro égale 1 dollar, c'était pas arrivé depuis plus de 20 ans. Ça, faut pas l'oublier. Je vais le mettre en monthly, en fait, pour vous montrer depuis combien de temps on n'avait pas touché les 1 dollar. Moi, ça fait 20 ans que je suis en bourse. On n'avait jamais vu ça depuis les années 2001-2002. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui s'est passé là, c'était exceptionnel. Les gens ici parlaient de la fin du monde. Non, c'est exceptionnel. Et comme c'est arrivé ici, on est même tombé plus bas. À un moment donné, 1 euro, ça valait même 0,8 au plus bas. Mais là, on voit bien que sur la parité, à 0,95, c'est en train de rebondir, et j'espère que c'est que le début du rebond, parce que c'est une phase complètement exceptionnelle, et surtout, on a besoin d'un rebond de l'euro sur le dollar, pour avoir une reprise des marchés boursiers, un peu comme on a eu sur 2002-2007, qui a été l'une des plus belles phases d'explosion boursière, et donc peut-être que c'est le début de quelque chose, on est au plus bas, et on est en train de repartir, on l'espère. Je vais aller trop vite, là, c'est finir avec ça, c'est que je vous prépare pour demain, je suis en train de travailler en ce moment, sur un dossier justement sur la bourse, on me l'a beaucoup demandé, j'ai fait un premier dossier sur les bases de la bourse, les outils, 2-3 indicateurs, et là on me l'a beaucoup demandé, et je vous prépare un dossier, je finirai avec ça, mais maintenant que vous l'avez vu, je vous le montre, avec un premier portefeuille boursier pour démarrer, donc très très équilibré, un portefeuille pour vraiment quelqu'un qui débuterait en bourse, on me l'a beaucoup demandé, donc je voulais préparer.
ETH-BTC, c'est important comme indicateur parce que c'est en train de revenir tranquillement. Regardez. Bon, après, bien sûr, c'est cette zone-là qu'il faudra aller chercher pour avoir le rebond du marché et surtout la belle altcoin season. Ensuite, le Bitcoin, on va passer. Ce que je vous propose, c'est de passer en très rapidement certaines valeurs en revue. Et là, l'idée, c'est que regardez, on commence à avoir de la convergence, mais pour moi, c'est pas assez. Mais on verra sur le mois de décembre ce que j'attends concrètement. On me demande souvent pourquoi je parle de convergence des moyennes mobiles. Ça va être l'occasion d'en parler. Je veux quelque chose comme ça. Très souvent, quand il y a une convergence des moyennes mobiles, ce qu'on va regarder, c'est il faut que le cours, en général, dans les phases haussières, il faut qu'il y ait cette convergence avant qu'il y ait une explosion. Alors, une convergence, ça ne veut pas dire que ça va exploser vers le nord. Peut-être ça va faire ça, le cours. Mais en tous les cas, quand il y a une convergence, souvent c'est explosif. Peut-être ça ira vers le sud, mais en général, ça ne va pas stagner comme là. Quand il y a une très belle convergence, et on le verra sur différents exemples concrètement, et donc quand il y a une convergence, c'est important, parce qu'après ça explose, et si ça explose par le nord, et ben après ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'on ait dans cet ordre moyenne mobile 50 jours, 100 et 200 jours. Et donc si on regarde des phases haussières classiques, regardez. Hop, forcément. Ah, j'ai enfin installé un bloqueur de pub. Voilà, on me l'a beaucoup dit en remarque et je l'ai fait. J'ai installé Adblock, ça a l'air de bien marcher, donc c'est très très bien. Regardez, avant d'avoir une explosion, c'est comme ça, hein, c'est comme ça dans les marchés, on a une très très belle convergence. Et ensuite, c'est explosif. Et ensuite, regardez comme c'est propre quand on a moyenne mobile 50, 100 et 200 qui s'alignent. Là, en général, c'est très très beau. Et donc, c'est vraiment ça qu'on va chercher. Et donc, tout simplement, comme d'habitude sur cette chaîne, je vous le montrerai avec l'exemple. C'est-à-dire quand on aura des explosions de marché. Hop là. Excusez-moi. Bim, bim, bim. On va se remettre d'équerre. Voilà. On va se mettre à peu près sur un an. Et ce que je vous propose, c'est d'aller basculer certaines valeurs. On voit qu'il y a une beaucoup plus belle convergence sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Atom Cosmos, il y a une convergence, mais c'est un peu bizarre. C'est dans un peu le bordel. Ce que j'aime bien, c'est le début de convergence qui commence à être sympathique sur Polkadot. Sur ADA, ça manque de convergence, tout simplement. Ici, sur Terra, il n'y a pas beaucoup d'historique, et donc on voit même pas la moyenne mobile 200. Sur Jamie, ça commence à être vraiment beau. ETHW, il y a encore moins de cotation, mais on dirait que ça stagne. Vous savez que c'est une grosse valeur. Je ferai pas de zoom sur mon portefeuille. Je ne l'ai pas ouvert depuis 2 semaines, mon portefeuille d'IKA, même l'ensemble de mes portefeuilles, je ne regarde pas le détail. Ça sert à rien, ça sert à rien de se faire du mal. Mais on y reviendra, hein. Ça veut dire que je fais pas la politique de l'autruche, mais je trouve que pour le moral, ça sert à rien de trop le regarder. DCR, ça commence à être super beau. Pareil sur CKB, il commence à avoir une très très belle convergence. C'est un projet, vous savez, ces deux-là, je les aime beaucoup, mais surtout CKB. IMX, Immutable X, je trouve que c'est pas mal. Band, ça a complètement explosé. Ça, voilà, ça a un peu refroidi là, avec ce qui s'est passé sur FTX, mais ça repart tout de suite de l'avant. C'est hyper intéressant comment ça repart. Binance, bah, on voit que c'est le grand gagnant de la crise actuelle, hein. C'est en train de repartir pratiquement sur ses plus hauts. C'est vraiment super beau la reprise. Algo, c'est une anomalie pour moi, parce que vraiment là, j'ai appelé ça massacre à la tronçonneuse ma dernière vidéo, mais on commence à avoir une très très belle convergence. Ça peut être une belle surprise, Algo. Matic, j'en parle pas beaucoup parce qu'il se passe pas grand-chose, mais mine de rien, là, c'est sa moyenne mobile 200, c'est passé au-dessus. Et là, regardez comment ça vient rebondir parfaitement sur la moyenne mobile 200. On peut avoir des belles surprises sur Matic. Loopring, ça manque de convergence. Flow, c'est pas mal, mais ça manque de convergence. Après, s'il y a Apcoin qui explose, un dossier comme Flow, il va exploser. Je le pense. Chiliz, vraiment, ça digère. On en reparlera. Et à un moment donné, peut-être je ferai même une vidéo. Parce que je pense qu'à un moment donné, ce qui serait top, c'est que ça descende un peu plus bas. Et tout simplement, j'en reprendrai un peu du Chiliz. Mais grosse déception par rapport à la Coupe du Monde. C'est vraiment un sell the news, je trouve. Theta Token, regardez. Je pense que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps. Très très belle convergence. Et un début de très très belle reprise. On espère que ça va aller taper la moyenne mobile 50, 100 et peut-être 200. À 1,2, rien ne va plus. Vraiment, on repart dans un autre monde. Faut que ça prenne 20% et vous verrez, on sera au-dessus des moyennes mobiles et je pourrai enfin vous montrer l'exemple du cours qui va au-dessus des moyennes mobiles, les convergences. Mais là, ça commence à être beau. Klein, il y a de la convergence. Ça s'est fait rejeter ici sur la moyenne mobile 200. J'attends la seconde tentative et j'en reparlerai bientôt. Stax, ça fait partie de mes chouchous là, du top 5 pour décembre. Je pense que ça peut vraiment bénéficier de l'environnement actuel. Celo, c'est juste exceptionnel ce qui se passe. Les volumes les plus hauts de l'année, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ces volumes-là. Et Celo, c'est en train de tout exploser. Là, c'est en train de taper moyenne mobile 50. Il n'y avait pas une convergence exceptionnelle, mais mine de rien, c'est en train de taper moyenne mobile 50. C'est en train de batailler avec la moyenne mobile 100. Et à 0,90, on passe au-dessus des moyennes mobiles. Ça peut être exceptionnel.
GRT Jeux Graves, bah, tout simplement, ça fait partie de mon top 5. J'adore ce projet-là et ça n'a absolument rien fait. La convergence commence à être belle. Cadena, j'ai failli faire une vidéo, je pense que ça sortira cette semaine parce que la convergence est belle et on sent que ça attend des choses. Apcoin, ça explose tout en ce moment. J'en avais parlé récemment. Il est un peu capillotracté, j'ai envie de dire, mais mine de rien, pour moi, c'est un espèce de W. C'était un peu foutu de moi et c'est normal. Hein. Et là, je vois un espèce de petit W là sur Apcoin et belle convergence. Ensuite, Axe. J'en parle pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose à dire. Filecoin, ça commence à être beau aussi. Belle stabilisation, belle convergence. Quant, bah vous savez, hein, ça a explosé. J'hésite encore toujours à en reprendre. J'attends un peu pour voir si ça tient vraiment ce triangle-là, cette espèce de trend haussier. Les convergences, c'est du grand n'importe quoi au niveau des moyennes mobiles. Quantum, c'est pas mal, mais pas grand-chose à dire. DYDX, bah c'est mon petit chouchou dans la DeFi. Maintenant, même si je vais essayer de rajouter, je vais rajouter du AAVE sur le mois de décembre, c'est sûr. Comme ça, j'aurai deux lignes dans la DeFi. La DeFi, c'est un domaine, bien sûr, l'un des domaines fondamentaux des blockchains en général, des crypto-monnaies. Et donc, j'ai que du DYDX et je vais compléter aussi avec AAVE. Flux, c'est un truc de dingue ce qui se passe. 0,44, c'est allé taper. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Flux, c'est assez incroyable. C'est complètement fou en fait ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe sur Flux? On va aller faire un petit zoom là parce que j'avais pas vu en fait. Incroyable. Incroyable. 0,44, 0. Ça a pris 100% ou quoi? 64 millions, vraiment c'est très très beau cette dynamique là. Après ça digère, mais c'est exceptionnel. J'avais pas vu ça tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez vu, mais ça a pris pratiquement les 100%. Magnifique, ça fait plaisir. C'est un dossier que j'aime bien dans les blockchains d'infrastructure. ICP, pas assez de convergence. VET, on espère que ça va rebondir. Il commence à avoir de la belle convergence. FTM, voilà, pour moi c'est la convergence parfaite. Il se passe rien au niveau du cours, mais la convergence est tellement belle que je pense qu'il va se passer des trucs. J'ai hésité à le mettre dans mon top 5, mais il faut faire des choix aussi. IOTA, c'est pas mal, mais sans plus. Gala, pas mal, mais sans plus. Si Apcoin explose, Gala, comme Flow, ça partira aussi. Harmony, ça commence à être très très beau. XRP, top 5-6, quoi. On verra dans les prochaines semaines, mais ça peut complètement exploser. HBAR, c'est pas mal. Zilliqa, c'est pas mal. Engine, c'est pas mal, mais sans plus. BAT, bof. AVAX, ça commence à être vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Ça fait très très longtemps que j'attends de la convergence et ça commence. Solana, j'ai fait un dossier récemment. Je suis en stand-by. Moi, j'achète sous les 10. Je pense que ça peut capituler encore plus bas. Rose, voilà. Je parle de convergence et Rose, regardez. Ça commence à ne faire qu'une. Il se passe rien sur le cours, mais la convergence est tellement belle que ça appelle à l'achat, ça appelle à l'explosion, là, ce que je suis en train de voir. ILV, j'attends encore pour vous en reparler. C'est un jeu, en tous les cas, et là, c'est le gamer qui parle, c'est moins l'investisseur. Et je me méfie de mon côté gamer parce que souvent, je fais pas les meilleurs investissements. Mais le jeu, il est bluffant. Allez voir le site Diluvium. C'est en bêta test. Ça doit sortir normalement. J'espère qu'ils vont le sortir avant Noël. Ça serait vraiment le super bon timing. Et ça peut complètement exploser. Aujourd'hui, ça vaut une quarantaine d'euros. Ça valait 2 000 euros à un moment donné. Faut pas l'oublier. Et je pense que ça peut tout défoncer ce truc-là. En tous les cas, le jeu est exceptionnel. Est-ce que j'y aurai moyen de gagner de l'argent avec ce truc-là? Je le pense aussi, parce que le jeu est tellement beau. Les NFT, les personnages sont faits par des artistes mondiaux. Et en termes de convergence, ça manque encore, mais c'est pas mal. Ça vient tellement haut, les moyennes mobiles. J'attends encore pour vous en reparler. Horizen, c'est pas mal, mais sans plus. Helium, j'en parle pas beaucoup. En fait, c'est un dossier parce que je fais du minage sur Helium. Et j'ai déjà fait des dossiers, des vidéos, si ça vous intéresse. Mais j'achète pas d'hélium. Tous les jours, je mine. Et je sais pas si c'est lié au fait que les gens ont capitulé aussi au niveau du minage. Mais mes revenus sur hélium en minage, ils ont doublé depuis quelques semaines, là. Donc c'est plutôt très positif. Je prends quelques héliums tous les mois. Et là, ça vaut pas grand chose. Mais le jour où ça repartira, je fais 3-4 pièces quand même tous les jours. Alors que j'étais plutôt à 2 il y a pas longtemps. Et donc 4 pièces par mois à 2,5, ça fait 10 euros par mois. C'est pas grand chose, mais si ça fait monte à 25, vous voyez bien que c'est plus du tout la même histoire. Ça fait une centaine d'euros par mois. Le boîtier il coûte 400 euros. C'est un pari. Pour l'instant, je gagne pas des millions, mais j'accumule tout simplement. C'est ça le minage. Et surtout quand on fait du minage, on investit sur 2, 3, voire 5 ans en général. Et donc j'accumule, j'accumule. Peut-être qu'à un moment donné, j'en aurai une centaine. Et si ça vaut à 30, bah, moi, mon truc, il vaudra 3 000 euros et j'ai mis 400 euros sur le boîtier. Ça coûte pratiquement rien en électricité, en consommation électrique. Casper, ça commence à être très très beau. Dogecoin, oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. En plus, il nous fait un espèce de W là, j'avais pas vu. Voilà. Des fois, il faut laisser les graphiques nous donner, hein, faut pas se les inventer les graphiques. Là, je vois un espèce de W.
fameux W-Bush. W-Bush, ça veut dire que ça va minimum ici, et j'espère qu'on va exploser encore plus haut. C'est un projet que j'aime bien, et je compte sur toi, Elon Musk, pour nous faire un petit cadeau. Si tu m'écoutes, Elon, fais-moi un peu plaisir sur Dogecoin, ça ferait plaisir. Chainlink, voilà, hein, je l'ai mis dans le top 5. Regardez-moi ce trend magnifique. Convergence, c'est même plus de la convergence, elles ne font qu'un, les moyennes mobiles. Vous voyez ce que je veux dire dans les... Ensuite, Anchor, je sais pas comment on dit. Je la suis, j'en ai toujours pas. Ergo, j'en ai toujours pas. Et ce dossier-là, franchement, c'est une grosse, grosse anomalie, Ergo, parce que j'aime beaucoup ce dossier-là, je comprends pas. C'est très lié au monde Cardano. Il semblerait que Cardano va s'associer avec Chainlink, alors que c'était normalement eux qui étaient l'oracle du monde Cardano. C'est peut-être ça qui fait plier. J'ai regardé les chiffres du minage, c'est pas si mauvais. Le hash rate sur Ergo, il est pas mal. Honnêtement, je comprends pas, et ça baisse tellement que ça me fait un peu peur, et j'en ai toujours pas pris d'ailleurs de ce projet-là, mais à un moment donné, je pense que je rentrerai dans le bain. EOS, j'en parle pas beaucoup. NIR, j'attends pour en parler, ça manque de convergence. UOS, c'est pas mal. Ouais, ça commence à être pas mal. Veracity, j'en ai parlé. C'est un projet qui est complètement bluffant avec ce qu'ils font sur le Proof of View. Maintenant, j'ai des doutes. Voilà, j'ai des doutes. J'ai fait une vidéo pour l'expliquer. Et j'attends toujours pour en prendre. Après, graphiquement, c'est vraiment beau. Moonbeam, pareil, c'est un dossier que j'attends. J'attends plus de convergence, mais j'attends pour monter sur ce dossier-là. Ça peut être pas mal en fin d'année. Tron, Tamadoge, j'en parle pas beaucoup, j'ai une toute micro-ligne. Refinance avait bien explosé, c'est revenu assez court. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé, c'est revenu assez plus bas historique, tout simplement. Il y a peut-être une opportunité, mais je peux pas être sur tous les dossiers. Sen, je la suis de loin. Et enfin, AAVE, je la suis de très très près. Regardez-moi comment ça va être beau. Et en fait, j'attends, peut-être le Bitcoin va capituler, et à ce moment-là, j'en prendrai, parce que là, c'est une zone très très vieille, je connais bien ce dossier-là. Si ça revient sous les 30, c'est l'achat du... Même sous les 40, c'est un coût énorme à acheter. J'achète direct sous les 40, un peu comme il l'a fait au mois de juin ici, c'était magnifique pour acheter. Et après, peut-être je le paierai plus cher, c'est pas grave, mais j'attends de, voilà, pour pas être sur tous les dossiers. Et ce sera tout pour moi. Je finis par ça. Je vous sortirai une vidéo sur de la bourse demain pour expliquer, voilà, un petit portefeuille avec 5 valeurs. Je vous sortirai ça demain, plutôt en fin d'après-midi. Je suis en train de le finaliser. Je vais le finaliser ce soir. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine. Un maximum de likes. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous appréciez ces formats-là. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout.